Avant toute chose, nous allons recommander cette prière matinale entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes encore ce matin d'être assemblés pour, ô Dieu, intercéder, pour prier. Esprit de Dieu, nous te prions que ta gloire, que ton esprit descende au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui a provisé tout ce qui se passe en ce moment. C'est par ta grâce qu'il y a des prières matinales. Je prie au nom de Jésus que les vies de tous ceux qui seront connectés à ces prières matinales, oh Dieu, soient transformées en ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je te prie que ce que tu as résolu dans ton cœur en ce matin, oh Dieu, que ta main puissante, oh Dieu, la manifeste. Saint-Esprit, je prie que tu disposes les cœurs. Je prie que tu disposes les âmes. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta gloire inonde les pièces. Saint-Esprit, je déclare que la grâce qui est en ce lieu traverse les temps au nom de Jésus. Et que cela, oh Dieu, entre dans les maisons de tous ceux qui nous suivent en ce matin. Je prends au nom de Jésus l'écran par lequel ils nous regardent en point de contact. Et je déclare par la puissance de Dieu que l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, commence à se mouvoir autour de tous ceux qui sont connectés à ce programme. Et que le Saint-Esprit de Dieu requête les requêtes de prière. Enfin, quand des prières seront relâchées, que ce soit les ossements des prières de tes saints. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Alléluia. Une fois de plus, nous vous bénissons. Est-ce que quelqu'un a la joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour le privilège qu'il a donné encore en ce matin d'être vivant? Bien-aimé, j'aime toujours dire, si nous sommes vivants, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est parce que la grâce de Dieu encore une fois de plus a abondé dans nos vies. Et si le Seigneur nous donne le privilège, nous donne encore la capacité d'être parmi les vivants, c'est parce qu'il veut nous donner encore la grâce d'améliorer nos vies, de nous décharger des fardeaux qui pourront nous empêcher, alléluia, de mieux l'adorer, qui pourront nous empêcher en réalité de nous connecter afin de faire son œuvre. Parce que le but de toute chose, c'est pour que nous apprenions à adorer notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse en ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, en ce matin, nous allons beaucoup prier sur une œuvre particulière que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. M'a mis à cœur. Et je pense que la plupart de tous ceux qui sont connectés et même ceux qui suivront ce direct, après, la puissance de Dieu va agir dans vos vies. Qui croit à la gloire de Dieu ce matin? Qui croit que le Seigneur va faire quelque chose de particulier dans les vies ce matin? Bien-aimé, je veux que tu aies l'assurance, alléluia, pour le Dieu qui agit dans ta vie. Je veux que tu aies l'assurance, en réalité, pour la visitation de l'Éternel dans ta vie ce matin. Donc, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est, et que nous allons prier avec, c'est, la sorcellerie n'aura plus de pouvoir dans mon pays, sinon à ma parole. Alléluia, j'ai dit, le petit point que nous allons aborder ce matin, c'est la sorcellerie n'aura plus de pouvoir dans ma vie, en quelque sorte dans mon pays, sinon à ma parole. Alléluia. Je reprends. La sorcellerie n'aura plus de pouvoir dans mon pays, sinon à ma parole. Pourquoi je dis sinon à ma parole?
C'est parce qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, nous allons faire entendre notre voix. Le son de notre voix va se faire entendre. Alléluia. Parce que la grâce qui s'est manifestée dans le temps passé se manifestera encore aujourd'hui. C'est pour ça que la parole a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Dans le livre d'Ecclésiaste. Amen. Donc, on va lire rapidement un seul passage. Et par ce passage, la gloire de Dieu, alléluia, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu va abonder les vies ce matin. Et plusieurs seront déchargés de l'œuvre de la sorcellerie. Amen. On va lire, alléluia, rapidement le livre de Romains. Romains 17, verset 1. Non, ce n'est pas Romains, s'il vous plaît. C'est 1 Roi 17, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Il y aura cette année, il y aura ces années-ci, ni arrosé, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia, je reprends. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci, ni arrosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la puissance de la parole de Dieu? Mais il y a une puissance dans cette déclaration. Alléluia. En ce matin, nous allons entrer dans la peau des Tishbites. Si vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que sur la terre, il n'y a pas une nation. Alléluia. Qui était surnommé Tishbite. Mon Dieu, Élie le Tishbite. Élie faisait partie d'un pays qui n'était pas de la terre, d'une partie qui n'était pas de la terre. Et c'est par la grâce qui était sur sa vie. Alléluia. C'est par cette grâce qu'il s'est levé et il a parlé avec audacité à l'autorité du pays qui était le roi Achab. Et il a dit, il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus d'arrosée en ces années-ci. Sinon, à ma parole, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il s'est levé avec autant d'audacité et il a osé affronter le roi? C'est parce qu'il connaissait le Dieu de son alliance. C'est parce qu'il connaissait le Dieu qui agissait dans sa vie. C'est parce qu'il avait une communion intime avec son Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait s'élever et dire, il n'y aura plus ces années-ci. Il n'a pas dit une année, il a dit ces années-ci. Il parlait avec tant d'assurance. Ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Là où tu es ce matin, je veux que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je déclare à toute principauté, à toute autorité qui gouverne la sorcellerie, à tout royaume de la sorcellerie, à tout puissant de la sorcellerie, je déclare au nom de Jésus qu'il n'y aura plus de sorcellerie. Il n'y aura plus de pouvoir de sorcellerie dans ma patrie. Sinon, à ma parole, je me lève en tant qu'un Tishbite et je déclare au nom de Jésus qu'il n'y aura plus de sorcellerie. Il n'y aura plus de pouvoir de sorcellerie dans ma patrie, dans mon pays, dans ma ville, dans ma famille, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon quartier. Dans ma maison, sinon dans ma parole. Alléluia. Bien-aimé, si nous parlons de ce thème, c'est parce que Henriette le Seigneur m'a montré qu'en ce temps, l'œuvre de la sorcellerie est en train de s'accroître. Parce que pendant que les enfants de Dieu sont contentés à chercher les dieux, pendant que les enfants de Dieu se focalisent à avoir une ascension spirituelle, à renforcer les liens avec les pères, les petits sorciers de ta famille, les petits sorciers de ton foyer, les petits sorciers de ta ville, de ton quartier, qui sont autour de toi, commencent à investir. Et qu'est-ce que le Seigneur me montrait? Le Seigneur me montrait comment ils sont en train de travailler afin de voler la joie qui est en toi,
afin de voler le succès que Dieu a programmé te donner. Le Seigneur m'a montré quand il va relâcher. C'est le temps où le Seigneur va bénir ses enfants. Je vous le dis en vérité. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Je peux parler par la voix de l'Éternel. Je vous le dis en vérité. En ce moment-ci, en cette saison-ci, nous sommes à une saison où des cadeaux. J'ai vu des cadeaux. J'ai vu des gens que l'Éternel va bénir avec des véhicules. Ce n'est pas n'importe quoi. J'ai vu des gens qui seront bénis. Je vous le dis en vérité. Je connais de quoi je parle. Mais dans ça, j'ai vu l'œuvre de la sorcellerie. J'ai vu des gens que les projets allaient aboutir. Mais à côté, je voyais l'œuvre de la sorcellerie. Il y a des espions qui étaient relâchés sous forme d'animaux. Il y a des souris, il y a des rats, il y a des insectes. Il y a certains petits, ces petites représentations d'êtres qui étaient relâchés depuis le royaume des ténèbres afin de bloquer les grâces de Dieu. Ils se sont mis comme des barrières en disant, voyons comment tu vas recevoir cela. Ah, bien-aimés, aujourd'hui, ce matin, on va les renverser au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous le dis en vérité, la victoire est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Il y a aussi une autre chose. La croissance spirituelle est dans la chair de Jésus. Une des choses qui donne la force au royaume des ténèbres, appelé sorcellerie, ben c'est ça qu'on attaque ce matin. L'une des choses qui donne la force aux sorciers et aux sorciers de ta vie, c'est le sang et la chair des innocents. C'est ça qui donne la capacité à ces sorciers, à ces sorcières, à ces agents ténébreux d'opérer dans ta vie. Et même de réussir à aller à ta parce que quand ils boivent le sang des innocents, quand ils mangent la chair des innocents, ils ont ce qu'on appelle une ascension spirituelle. Ils ont ce qu'on appelle un revêtement de puissance et d'autorité. Mais je vais vous dire, je vais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est que nous avons la plus haute spiritualité en Christ. Pourquoi? C'est parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous mangeons et nous buvons la chair du véritable innocent. Parce qu'il y a un principe spirituel qui dit ceux qui vont manger la chair de l'innocent et qui vont boire le sang de l'innocent vont ressusciter à la fin. Alléluia! Vont ressusciter à la fin. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vont ressusciter à la fin. Même pas seulement, ce n'est pas seulement une résurrection où ton corps va revenir à la vie. Non. C'est une résurrection où tout ce qui était mort comme grâce, tout ce qui était mort comme capacité, tout ce qui était mort comme don, tout ce qui était mort comme opportunité, la puissance de la chair de l'innocent, la puissance du sang de l'innocent viendra ressusciter tout cela en toi. Alléluia. Viendra ressusciter tout cela en toi. Et le Seigneur, pendant que je priais ce matin, m'a fait voir dans mon esprit que les sorciers, quand ils sacrifient des vies humaines, physiquement, la personne est morte, mais dans le spirituel, le corps de la personne est encore vivant. La personne est encore vivant. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'en réalité, tous ces sorciers, ces agents ténébreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent la chair de ces innocents étant vivants. Donc l'innocent est vivant et il coupe sa chair, il mange la chair, une chair qui est encore vivante. Ils prennent le sang qui coule de cette chair et ils boivent un sang qui coule vivant, donc un sang qui coule fraîchement, d'un corps qui vit encore. C'est ça qu'ils boivent. Et c'est comme ça qu'ils connaissent une ascension spirituelle instantanée. Mais le Seigneur m'a rappelé dans cette vie, pendant qu'il me parlait, il me montrait cette vision, qu'en réalité, ils ont copié ça de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas pourquoi le sacrifice, pourquoi le sang de l'innocent et la chair de l'innocent parlent et te permettent de croître spirituellement. Il faudrait que ce sang et cette chair soient vivantes, malgré qu'ils soient donnés en sacrifice. Vous allez voir que quand on égorge un bœuf, le bœuf n'est pas encore mort, mais le sang commence à couler. Et ceux qui sont dans les rituels recueillent ce sang et boivent ce sang vivant. Pendant qu'il est encore vivant, ils boivent le sang vivant, ils boivent ce sang.
Il n'est pas encore mort, mais on boit son sang. Pourquoi? Parce que quand tu bois ce sang, quand il est la victime encore vivant, il y a transmission de force, il y a transmission de vie, il y a transmission d'autorité. Est-ce que je me fais entendre ce matin? Et le Seigneur me ramène dans sa parole. Vous allez vous rendre compte que la dernière fois que l'Éternel a fêté la Pâque avec ses serviteurs, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je tiens à souligner d'abord, c'est que Jésus-Christ, toute sa vie étant sur terre, a marché selon la loi. Alléluia, la grâce n'avait pas encore commencé. Parce que Jésus a accompli la loi et non la grâce. C'est après avoir accompli la loi qu'il a dit, tout est accompli. Donc c'est pour ça, tous ceux aussi, j'ouvre une parenthèse, qui fêtent la Pâque selon la chair, selon les hommes, selon la religion, ne sont pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils vont dire que Jésus a fêté la Pâque, mais Jésus qui marchait selon la loi et non selon la grâce. C'est après la mort et la résurrection de Jésus que la grâce a commencé à t'abonder. Alléluia. Si vous regardez, on va dire Jésus-Christ était circoncis le huitième jour. C'est une parenthèse. Jésus-Christ en a donné son nom le huitième jour, malgré qu'il avait déjà reçu ses parents avaient reçu la révélation de son nom. Amen. C'est pour dire quoi? Si tu veux dire que tu dois fêter la Pâque comme le monde de fête, ça veut dire que tu dois aussi circoncis ton enfant le huitième jour. Combien d'entre vous étaient circoncis le huitième jour? Combien d'entre vous en a donné le nom le huitième jour? Bien-aimés, ne marchons pas selon la loi, mais marchons selon la grâce de Dieu. Amen. Donc, je sors de ces parenthèses, je reviens. C'est pour dire quoi? Jésus, quand il marchait sur la loi, la dernière fois qu'il a fêté la Pâque selon la loi, parce qu'il était obligé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à la table qu'il a dressée avec ses serviteurs, avec ses disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dressé cette table. Et il a dit, étant vivant, lui qui était la victime, lui qui était le sacrifice, lui qui était l'innocent, écoutez bien, lui qui était l'innocent, lui qui était déjà sacrifié, parce que le sacrifice avait déjà lieu dans le spirituel, mais la victime était encore vivante. Mais Jésus a dit quoi? À ses apôtres, à ses disciples qui étaient à la table avec lui, il a dit, prenez ceci, c'est ma chair, étant vivant. Ah, est-ce que quelqu'un écoute cela? Prenez ceci, c'est ma chair. Prenez ceci, c'est mon sang qui a été donné en rançon pour vous. Ceci est une nouvelle alliance. Et les apôtres ont mangé la chair de la victime qui était Jésus. Et la victime qui était Jésus était encore là. Donc il était vivant et il voyait comment manger sa chair. La victime qui était Jésus, le sacrifice innocent qui était Jésus, était encore vivant quand on buvait son sang. Donc les apôtres ont bu le sang de Jésus quand Jésus était encore vivant. Lui qui était déjà donné en sacrifice dans le règne de l'Esprit. Et ils ont mangé sa chair. Lui qui était encore vivant. Donc on voit que quoi? L'ascension, la haute spiritualité, c'est quand tu manges la chair de l'innocent et c'est quand tu bois la chair de l'innocent qui est donné en sacrifice quand il est encore vivant. Et c'est pour ça qu'on voit que le sacrifice perpétuel qui est Christ n'est pas mort, mais il est vivant. Et nous mangeons sa chair, on mange la chair du ressuscité et non de la victime morte. On boit le sang du ressuscité et non de la victime qui est morte. C'est le sang de la victime qui est ressuscité qu'on boit. Donc le sang de Jésus qui jusqu'à présent coule. Et c'est ce sang du vivant là qu'on boit. La chair de Jésus jusqu'à présent, quand tu invoques, tu dis, Seigneur, donne-moi de manger ta chair. Parce qu'il a dit dans Jean 6 que ma chair va mettre une nourriture. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi de manger ta chair, Jésus ôte sa chair. C'est un principe spirituel. Quand tu demandes à manger la chair de Jésus, quand tu es digne, qu'est-ce qui se passe? Une portion de la chair de Jésus quitte de son corps instantanément. Et ça descend vers toi et tu marches. Donc, ce qui va nous donner le pouvoir, ce qui va nous donner le dessus sur l'œuvre de la sorcellerie ce matin, c'est quand nous allons manger là maintenant le côté spirituel de la chair du sang de Jésus. Mais les dans des assemblées, nous avons l'habitude de manger et de boire le sang de Jésus comme repas du Seigneur. C'est-à-dire, avec une petite coupe de vin et un petit morceau de pain, on fait cela en symbole. Mais aujourd'hui, tu vas manger la chair de Jésus spirituel et véritable. Tu vas boire le sang de Jésus véritable. Alléluia. Et ce qui en toi va ressusciter. Vous devez savoir que le sang de Jésus et la chair de Jésus ne se mangent pas et ne se boivent pas seulement pour avoir une délivrance de la captivité, pour se délivrer des liens. Non. On boit aussi le sang de Jésus premièrement et on mange la chair de Jésus premièrement pour avoir une ascension spirituelle.
Donc, on ne boit pas le sang de Jésus, on ne invoque pas, on ne marche pas la chair de Jésus quand on est dans les problèmes. Non, c'est quand même tu es dans la joie, c'est dans la joie, c'est dans des cris de joie, c'est dans des triomphes que tu dois manger la chair de Jésus. Et tu dois boire le sang de Jésus afin de faire quoi? Afin de croître spirituellement. Il n'y a pas d'ascension spirituelle sans la chair et le sang. Il n'y a pas de revêtement de puissance et d'autorité sans la chair et le sang. C'est pour ça que les occultistes, les satanistes, les sorciers ont compris ce principe. Et c'est pour ça qu'ils sont dans les sacrifices perpétuels. Ils désirent boire le sang et manger la chair parce qu'ils ont compris que au fur et à mesure qu'ils mangent la chair et boivent le sang des innocents, au fur et à mesure qu'ils croient spirituellement. C'est pour ça qu'après un sacrifice, il y a une ascension. Après un sacrifice, il y a une élévation. Après avoir mangé la chair, la chair et le sang des innocents, il y a des opportunités, il y a des grâces, il y a des gloires qui sont restées, il y a la vie qui entre même dans la chair. C'est pour ça de voir que ces occultistes, ces francs-maçonniques, que quand ils commencent à boire et manger cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme la régénération même de leur chair. Il y a comme la vie, ils sont comme des hommes qui ne vivent pas sur terre. Ils sont comme des femmes qui ne vivent pas sur terre parce qu'ils ont une gloire pas comme les autres. En réalité, c'est quoi? C'est la chair et le sang des innocents qui boivent et mangent. Alléluia. Mais ce matin, la gloire de Dieu va te visiter ce matin. Est-ce que tu crois avec moi? On va faire un acte prophétique ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour l'esprit prophétique qui est dans ce réveil? Pour la grâce prophétique qui est dans ce réveil? Et je crois que tu seras impacté. La force que tu n'as pu sentir depuis. La puissance que tu n'as pu sentir depuis. L'autorité que tu n'as pu sentir depuis. L'audacité que tu n'as pu sentir depuis. L'assurance que tu n'as pu sentir depuis. Tu le sentiras aujourd'hui. Élie, c'est avec cette assurance qu'Élie s'est tenu debout. Et il a dit, il n'y aura plus de pluie. Achat représente le sorcier de ton pays. Achat représente le roi de la sorcellerie de ton pays. Celui qui est assis sur le trône de la sorcellerie. Mais vous devez savoir que dans la sorcellerie, il y a un trône. Et tous sorciers, on les promet toujours qu'ils vont prendre le trône. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent, ils sont zélés dans le but de prendre le trône. Alléluia. Mais on voit que Jésus-Christ, Élie, s'est opposé au roi Achat, qui avait l'œuvre de la sorcellerie dans sa maison parce que Jézabel était la reine des sorcières. Elle était dans sa maison. Alléluia! Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on va parler au roi de la sorcellerie. Mais avant de parler au roi de la sorcellerie, on va manger la chair, le sang de Jésus. Et pendant que tu en mets cela, une puissance va te traverser. Une impactation va te traverser. D'autres, pendant que je suis en train de parler, je vois d'autres qui seront saisis par l'esprit. Ils vont commencer à prophétiser. Ils seront saisis par l'esprit. Ils vont commencer à parler en langue. Ils vont être saisis par l'esprit. Ils vont commencer à relâcher des paroles. Ils vont être saisis par l'esprit. Ils auront un revêtement de force et de puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'on dit dans le livre d'Apocalypse, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Beaucoup pensent que le sang de l'agneau que les anges avaient vaincu la puissance des ténèbres, c'était que le sang était invoqué sur eux. Non. Selon la révélation, les anges de l'Éternel ont mangé la chair de Jésus. Quelque chose que l'Écriture ne dit pas, mais l'Esprit dit. Pas. L'Esprit de la révélation dit que le Saint-Esprit, que le Seigneur dit, viendra nous enseigner toutes choses. Et cet Esprit nous enseigne qu'en réalité, les anges ont bu le sang de Jésus. Les anges ont mangé la chair de Jésus. Pour avoir une croissance, pour avoir le dessus sur la force des ténèbres. Ben, ils ont combattu avec des anges qui avaient de même catégorie qu'eux. Mais qu'est-ce qui les a élevés au-dessus sur le sang et la chair de Jésus? Et regardez encore, pendant que Jésus faisait cela, il a dit une parole qui est marquante. C'est que je ne fais que ce que je vois le Père faire. C'est-à-dire que nous pouvons voir à travers ces paroles que Jésus-Christ a donné sa chair et son sang étant vivant sur la terre à ses disciples. C'est parce qu'il a vu le Père dans son règne se lever de son trône, prendre sa chair, prendre son sang et distribuer cela à ses anges. Parce que dans le royaume des cieux, il y a aussi la table du Seigneur. Et sur la table du Seigneur, l'autre Dieu, le roi de gloire, l'Éternel des armées se lève, retire une portion de son sang, retire une portion de sa chair et distribue cela à ses anges. Et les anges mangent la chair de Jésus et les anges boivent le sang de Jésus. C'est ça qui les élève dans la haute spiritualité. Ce que je vous dis là, je vous le dis en vérité, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu pour nous ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la grâce que Dieu te donne d'être dans ce réveil appelé Jésus revient? Mais c'est dans ce réveil que tu vas avoir toute couleur de révélation, tout type de gloire. La parole de Dieu dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, on va se... Tu vas te disposer, tu vas fermer tes yeux.
Et tu vas dire, Seigneur, en ce matin, je vais expérimenter cette grâce. En ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je vais expérimenter cette grâce. Je vais expérimenter la grâce de connaître l'ascension spirituelle. Je vais expérimenter la grâce de connaître, de recevoir ce revêtement de puissance, cette assurance. Parce que beaucoup qui m'écoutent ont compris aujourd'hui que le sang de Jésus n'est pas seulement pour des délivrances, mais c'est premièrement pour une ascension spirituelle. C'est le sang, le nom et la chair de Jésus qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu vas te disposer dans ta maison, tu vas te disposer par la grâce de Dieu et je vais dresser la table du Seigneur. Donc tu vas fermer tes yeux et tu vas écouter le son de ma voix. Parce que dans le règne de l'esprit, tu n'es pas dans ta maison, je ne suis pas en ce lieu. Nous sommes dans un même lieu. Nous sommes rassemblés à un même lieu. Et la parole de Dieu dit que tous ceux qui sont rassemblés au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu règne au milieu de nous. Alléluia. Donc, Saint-Esprit de Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Je te bénis, je te rends grâce pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta justice. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, que ta gloire commence à se manifester dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit, selon que tu m'as enseigné, je vais le faire ce matin. Et je prie que tu honores la parole, tu honores ta parole. C'est que ta bouche dit que ta main l'accomplit. C'est que ta bouche dit que ta main l'accomplit. C'est que ta bouche dit que ta main l'accomplit. C'est que ta bouche dit que ta main l'accomplit. Esprit de Dieu, je déclare maintenant, poussé par ton esprit, je déclare, je plonge mes mains dans ton sang. Et je déclare, je dresse la table du Seigneur. Bien aimé, fermez les yeux et soyez très attentifs. Car aujourd'hui, nous allons manger à la table et à la chair de Jésus spirituelle. Alléluia. Je dresse la table du Seigneur. Je déclare, je mets sur cette table la chair de Jésus. La glorieuse chair de Jésus qui est l'innocent par excellence. Je mets encore sur cette table la coupe du sang de Jésus. Est-ce que tu vois cette coupe dans ton esprit? Est-ce que tu vois cette coupe? Est-ce que tu vois cette coupe? Déclare après moi, Seigneur Jésus, je m'avance vers ta table. Je m'avance devant ta table et je prends la chair de Jésus et je saisis la coupe de sang de Jésus. Je déclare, je mange la chair de Jésus. Rab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 a. Et je bois le sang de Jésus. Rab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 a. Rabababababababa. Rabababababababa. Rabababababa. Et je déclare, pendant que tu manges la chair de Jésus, pendant que tu bois le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus te pénètre maintenant. L'onction de Dieu te visite maintenant. Il y a un revêtement de force et de puissance. Un revêtement de force et de puissance. La gloire de Dieu te touche maintenant. La gloire de Dieu te saisit maintenant. La gloire de Dieu te visite maintenant. La puissance de la chair, la puissance du sang de Jésus ressuscite. Ressuscite, ressuscite toute capacité, toute opportunité, toute grâce, tout manteau qui était caché en toi. Je le déclare au nom de Jésus. La puissance de Dieu traverse les temps maintenant. La puissance de Dieu traverse les temps maintenant. La chair de Jésus que tu manges, le sang liquide que tu bois, te lève maintenant dans une haute spiritualité. La puissance de Dieu te visite. L'esprit prophétique te saisit. Maintenant, je vois des gens dans mon esprit en train de prophétiser, en train de parler en langue. Tu vas sentir un désir de proclamer des paroles. Et l'esprit de Dieu va mettre des soupirs en toi. Va mettre des soupirs en toi. Va mettre des soupirs en toi. Et pendant qu'il mettra ses soupirs, tu sois senti comme tu es en train de décoller. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens qui vont aller dans la maison, vont sentir comme ils sont en train de quitter la terre. C'est l'Esprit de Dieu. La gloire de Dieu
La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. On dit que la chair de Jésus, l'apparence du visage de Jésus, est comme le soleil, dont la gloire de la chair de Jésus. Entre en toi maintenant. Entre en toi maintenant. Entre en toi maintenant. Entre en toi maintenant. Tu reçois cela maintenant. Il te bat par sa puissance. Il te bat par ta puissance. Il a dit, au reste, fortifiez-vous par la force tout puissante de l'Éternel. Mais la force de Dieu est dans sa chair. La force de Dieu est dans son sang. Et le Seigneur te fortifie ce matin par la puissance de sa chair. Il te fortifie ce matin par la puissance de son sang. Maintenant, je déclare tout ce qui était mort dans ta vie, parce que tu as mangé la chair du glorieux Jésus, parce que tu as bu le sang du glorieux Jésus, l'innocent par excellence, la victime qui n'a pas expiré, mais la victime qui est vivante, je déclare sa puissante visite. Seigneur, touche-le maintenant. Maintenant, touche-le maintenant. Il y a une effusion de baptême de langue. Toi qui ne parles pas encore langue, la puissance de la chair de Jésus, la puissance du sang de Jésus, commence à délier ta langue. Commence à délier ta langue. Shabababababa. Shabababababababa. 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 Shabababababa. Je déclare, ta langue est déliée. Guérison, guérison, guérison. Je vois tes yeux guéris. Les yeux des esprits de plusieurs sont guéris. Vous commencez à voir. Les langues de plusieurs sont guéries. Les gens qui ne pouvaient, toi qui ne pouvais pas écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu tonne dans tes oreilles maintenant. Tonne, 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 tonne. Toi qui avais une grâce prophétique qui était mort, je déclare par la puissance de la chair de Jésus et par la puissance du sang de Jésus, maintenant cette grâce prophétique ressuscite en toi. Ressuscite en toi. Ressuscite en toi. Ressuscite en toi. Maintenant, au nom de Jésus, la grâce de le sang de Jésus, la grâce de la chair de Jésus, ramène tout ce qui était en captivité dans ta vie. Tout ce qu'ils ont volé, ils ont mis dans la captivité. La grâce du sang et de la chair de Jésus, ramène cela en toi, au nom de Jésus. Il y a la vie, il y a la vie. Il y a la vie, il y a la vie. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Oh, we wait on you. Lord, we wait on you. Le chant dit, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons. We wait on you. Lord, we wait on you. Oh, we wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Oh, we wait on you. Lord, we wait on you. Pendant que je parle, pendant que j'étais en train de chanter cela, je voyais la main de Dieu sur la tête de plusieurs personnes. Je voyais la main de Dieu sur la tête de plusieurs personnes qui restaurait des grâces, qui restaurait des grâces, qui restaurait des grâces. Et je déclare, cette parole prend corps dans ta vie maintenant. Cette parole maintenant se manifeste dans ta vie maintenant. Tu sens comme un feu sur ta tête. C'est la main de Dieu. Tu sens comme un toucher. Et ce toucher est enflammé de feu. Et enflammé de feu.
ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main puissante l'accomplit. 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 Elle te touche maintenant. Et plus jamais tu ne seras plus la même. Elle te touche maintenant. La main de Dieu te touche maintenant. Et tu es changé à une nouvelle personne. La gloire. Les ténèbres qui étaient sur toi. Les ténèbres qui étaient sur ta vie. La gloire de la chair du sang de Jésus. Fais en sorte que la main de Dieu se lève. Et ôte cette ténèbre. Maintenant brille comme une lampe. Brille comme une lumière. Tu déclares maintenant, tu es la lumière de ton pays. Tu es la lumière de ta vie. Père, je déclare cette grâce que tu as reçue dans la vie de tes enfants. Alléluia. Que cela maintenant demeure. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit, il y a beaucoup qui ont commencé à rôter. Il y a beaucoup qui ont commencé à bailler. Il y a beaucoup qui ont commencé à pleurer. Il y a beaucoup qui ont commencé à gémir. Il y a beaucoup qui ont senti une fraîche arrosée, une fraîcheur, comme la chair de poule. C'est la grâce de Dieu qui était dans ta vie. C'est la restauration de Dieu. C'est l'ascension. Il y a beaucoup maintenant, jusqu'à présent, ils sont sur la présence de Dieu. Ils tremblent, ils tremblent. Bien aimé, la présence de Dieu souvent est aussi glaciale. C'est comme une pluie, c'est comme un vent, c'est comme une fraîche arrosée. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait pour toi, tu peux laisser cela en témoignage. Tu peux témoigner cela sur les commentaires. Tu peux dire tout ce que le Seigneur a fait pour toi pendant que tu étais en train de prier. Alléluia. C'est important de rendre témoignage. Amen. Avant que nous ne continuions, rends témoignage à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Rends témoignage à l'Éternel des armées. Rends témoignage. Rends témoignage. Rends témoignage. Rends témoignage. J'ai dit ce matin, nous allons prier brièvement. Alléluia. Nous allons prier brièvement sur la sorcellerie n'aura pas de pouvoir dans mon pays, sinon ma parole. Mais ton pays fait partie de ta vie. J'ai parlé de payer une autre de vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ta vie n'aura pas de valeur si ton pays est dans la captivité. Alléluia. Il faut que ton pays soit délivré pour que ta vie soit libre. Amen. Donc là où tu es ce matin, tu peux maintenant te lever avec autorité comme Élie le Tishbite. Pas Élie le prophète, mais, et pas Élie le sacrificateur, mais Élie le Tishbite. Le prophète Élie le Tishbite. Lève-toi maintenant et commence à déclarer, commence à prier. Dis Seigneur, tout œuvre de la sorcellerie dans ma famille. Tout œuvre de la sorcellerie dans ma famille. Tout œuvre de la sorcellerie dans mon pays. Tout œuvre de la sorcellerie dans ma belle famille. Tout œuvre de la sorcellerie dans mon foyer. Tout œuvre de la sorcellerie dans ma maison. Prends feu, prends feu, prends feu. Prends feu, prends feu. Et détruis. Et détruis. Et détruis. Avec l'autorité. Avec l'audacité que tu as reçue ce matin. Par la puissance du sang de Jésus. Avec l'élévation, la croissance, l'ascension spirituelle que tu as reçue ce matin, par la puissance du sang et de la chair de Jésus, commence à déclarer, Seigneur, je déclare que l'œuvre de la sorcellerie meurt dans mon pays. Que la puissance de la mort, je veux dire à quelqu'un ce matin, la puissance de la mort fait partie de la puissance de Dieu. Dans la toute puissance de Dieu, il y a la puissance de la mort. Alléluia. Dans la toute puissance de Dieu, il y a quatre puissances. Mais aujourd'hui, on va seulement parler de la puissance de la mort. Donc, je vais te tenir sur la puissance de la mort. Qui est la part dans la puissance de Dieu que tu as reçue. Et tu vas déclarer que l'œuvre de la sorcellerie meurt dans ta vie au nom de Jésus. Meurt dans ta vie au nom de Jésus. Meurt dans ta vie au nom de Jésus. Déclare toute œuvre de la sorcellerie dans ma famille. Sois détruit. Meurt, 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 meurt. Au nom de Jésus. Toute œuvre de la sorcellerie. Dans mon pays, est anéanti ce matin, est brisé ce matin, est détruit ce matin, est détruit ce matin, est détruit ce matin. Je paralyse au nom de Jésus tout œuvre de la sorcellerie autour de moi. Rab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 a, rab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 a. Je déclare, j'envoie les coups de feu, j'envoie des boules de feu, des boules de feu, des boules de feu, des boules de feu, des boules de feu sur toute œuvre de la sorcellerie. Ah, toi sorcier, toi roi de la sorcellerie, bien aimé, lève-toi comme Élie le Tishbite. Lève-toi comme Élie le Tishbite et déclare pour moi, toi sorcier de mon pays, toi roi de la sorcellerie de mon pays, je déclare maintenant, il n'y aura plus de sorcellerie dans ce pays, dans mon pays, sinon ma parole, je déclare au nom de Jésus, par la vie de prière que j'ai, par la puissance et la grâce de Dieu qui est dans ma vie, plus de sorcellerie dans nos vies, plus de sorcellerie, plus d'œuvres de sorcellerie dans mon pays, au nom de Jésus,
Reine de la sorcellerie, je te renverse au nom de Jésus. Reine de la sorcellerie, je te renverse au nom de Jésus. Reine de la sorcellerie, je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je brise au trône de la sorcellerie dans ma vie. Je brise au trône de la sorcellerie. Je brise au trône de la sorcellerie. Je brise au trône de la sorcellerie. Déclarez-moi. Le Seigneur veut que me parle de la sorcellerie familiale. J'entends dans mon esprit sorcellerie familiale. Il y a beaucoup d'entre vous que vous êtes sur la captivité de la sorcellerie familiale. C'est pour ça que tout ce que tu fais n'aboutit pas. Ce n'est pas parce que ton Dieu ne peut pas agir. Ce n'est pas parce que ton Dieu n'est pas vivant. C'est parce qu'il y a un petit sorcier. C'est parce qu'il y a une petite sorcière qui a dit sinon à sa parole, tu ne réussiras pas. Sinon à sa parole, tu n'auras pas les grâces de Dieu. Sinon à sa parole, tu ne verras pas la visitation de l'Éternel. Mais lève-toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un tisbite, et déclare pour moi, il n'y aura plus cette œuvre de la sorcellerie familiale. Prends fin dans ma famille maintenant. Sinon, ma parole est que quelqu'un peut déclarer audacité que si je suis serviteur de Dieu, si je suis servant de Dieu, je déclare avec le doigt de l'Éternel levé, avec le doigt de l'Éternel levé, il n'y aura plus de sorcellerie. Toi, sorcellerie familiale, je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Fléchis genoux. La parole de Dieu déclare. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais prie, anéantis les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Tout sorcellerie familiale, si tu es marié, tu pries aussi contre la sorcellerie familiale de ta belle famille. Parce que tant que la famille, la sorcellerie familiale de ta belle famille parle contre toi, tu seras aussi dans la captivité. Seigneur, je déclare à ce fire, à ce fire. À ce fire, je déclare, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie les tonnerres de feu. J'envoie des boules de feu. J'envoie des grains de feu sur tout œuvre de sorcellerie familiale. Et je déclare, ce feu brise, 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 brise. Tout hôtel de sorcellerie familiale. Tout trône de sorcellerie familiale. Tout bâton de sorcellerie. Je déclare l'héritage de la sorcellerie dans ma famille et dans ma belle famille. Et en ayant dit ce matin. Elle brise ce matin. Elle brise ce matin. Elle brise ce matin. Je renverse cela. Au nom de Jésus. Pendant que tu pries, je déclare sur ta vie. Pendant que tu pries, je déclare sur ta vie. Par le mandat que l'Éternel m'a donné. Il a dit, il nous a oint pour délivrer les captifs. Toi qui es captif de la sorcellerie, je déclare une puissance descend du trône de Dieu. Et paralyse toi dans ta vie. Et de la sorcellerie, je te menace. Avec le doigt de l'Éternel, lâche les vies. Rap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 
toi serpent ancien, toi esprit de sorcellerie familiale, vomis les grâces, vomis les destinées, vomis les vies, lâche-les. Au nom de Jésus, je paralyse tes œuvres, je te dépouille de tes armements par la puissance de Dieu. Quel que soit le pays où tu es, la distance n'est pas une barrière, je déclare la puissance de Dieu maintenant te localise et je te désarme au nom de Jésus. Et je te désarme au nom de Jésus. J'arrache ton armement. J'arrache ton armement. J'arrache ton armement. Au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que les captifs soient libérés. Ce matin, je viens prêcher la délivrance à quelqu'un. Et je déclare, sois libre au nom de Jésus. Sois libre de la puissance de la sorcellerie. Sois libre de la puissance de la sorcellerie. Quel que soit le mandat, quelle que soit la puissance, quel que soit le trône de la sorcellerie dans ta famille, dans ton pays, dans ta nation, dans ta maison, dans ta belle famille, dans ton foyer, dans tes activités, je déclare, c'est la flèche chez nous au nom de Jésus. C'est la flèche chez nous au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Commence à prier avec moi. Déclare. Le Seigneur me dit, il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ce matin. Il y a des chaînes de la sorcellerie qu'on a mis sur vous. On vous a enchaîné comme des chiens. Et on vous manipule par l'œuvre de la sorcellerie. Je déclare. Toute chaîne de la sorcellerie, appelée chaîne de manipulation de la sorcellerie, je brise ces chaînes. Est-ce que tu peux commencer à briser? 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 Brise, 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 brise cette œuvre de la sorcellerie. Brise, 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 brise. Renverse tes chaînes. Le joug de la sorcellerie qu'on a mis à ton cou, tu sens comme un fardeau. Sur ta gorge, tu sens comme depuis tu envoies des craches, mais il y a comme un morceau de viande. Il y a comme un caillou. Tu envoies les craches, tu bois l'eau, tu manges, ça les descend par sa cage sur ta gauche. Je vais te dire que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et pendant que je parle, ça te lâche maintenant. C'est un envoûtement. Et je déclare cet envoûtement qui était lancé, soit dans ton sommeil, soit pendant que tu marchais, soit par une invocation, une imprécation des esprits de famille. Je déclare ce matin. Tu es libre de cet envoûtement. La parole de Dieu déclare dans le livre de Nombre 23, verset 23. L'envoûtement ne peut rien contre toi, ma soeur. L'envoûtement ne peut rien contre toi, mon frère. L'envoûtement, l'enchantement, la divination ne peut rien contre toi. Je déclare, toi, œuvre d'envoûtement, toi, œuvre d'enchantement, toi, œuvre de sortilège, je déclare, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Je relâche le feu sur toi au nom de Jésus. Lâche la vie au nom de Jésus. Lâche la vie au nom de Jésus. Lâche les vies au nom de Jésus. Lâche les vies au nom de Jésus. Tu libères les vies, libères. Libère les vies des saints, libère les vies. Libère les vies au nom de Jésus, libère. Libère les vies au nom de Jésus. Je vois le Goliath de ta famille en train de tomber. Je vois l'esprit de ta famille en train de tomber. Celui qui aspire des grâces. Je vois des esprits de sorcellerie qui sont comme des aspirateurs. Pendant que la grâce de Dieu te visite, il aspire. Pendant que ça vient, il vole. Pendant que ça vient, il bloque. Je déclare, cet esprit est renversé au nom de Jésus. Cet esprit est renversé au nom de Jésus. Cet esprit de sorcellerie qui s'est mis comme une porte afin de bloquer, afin de fermer, afin d'empêcher que tout ce que Dieu a mis dans ta vie, tout ce que Dieu a relâché dans ta vie, entre. Je déclare, cette porte qui était sorcière, cette porte qui était sorcellerie, qui était sorcellerie familiale, est brisée, est détruite, est brisée, est détruite, est brisée, est détruite. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, jusqu'à quand ta promesse tardera dans ma vie? Seigneur Jésus, jusqu'à quand ta promesse tardera? Je viens te dire, cette promesse ne tardera plus parce que le goulag de ta vie a été renversé. Parce que le mur, appelé mur de la sorcellerie, est renversé. De même quand le mur de Jéricho était tombé, je déclare ce mur de la sorcellerie qui bloquait tes grâces, qui empêchait que tu aies une communion intime avec ton roi, avec ton Dieu, avec ton époux. Je brise ce mur. Et je déclare, comme ce mur est brisé, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de séparation. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi ce matin. Bien-aimés, c'est l'une des choses que le Seigneur m'a montré en vision hier, c'est qu'il y a des souris, il y a des rats, il y a des esprits qui ont envoyé les totems. Ils sont comme des caméras pour espionner tout ce que tu fais, pour connaître tout ce que tu fais, pour voir tout ce que tu fais. Tu vas déclarer après moi. Tout espion qu'ils ont envoyé sous forme de rats, sous forme de souris, sous forme d'insectes, sous forme d'animaux, même sous forme humaine, pour m'espionner. Je déclare, cette caméra prend feu.
cet esprit est détruit. Est-ce que tu peux saisir l'épée du carnage avec moi? Déclare avec moi. Je saisis l'épée du carnage. Et pendant que j'agite mon épée, ce sont des coups d'épée. Ce sont des coups d'épée. Ce sont des coups d'épée. Je localise cet esprit de sorcellerie. Je localise cet espion qui est envoyé dans ma vie. Et je taille. 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 Pendant que je bats les mains, ce sont des coups d'épée. Ce sont des coups d'épée. Ce sont des coups d'épée. Quel que soit le lieu, il fuit. Je vous poursuis avec des coups de paix. Déclare, je te poursuis, je te poursuis, je te laisse pas, je te taille, je te taille, je te taille, je te taille, 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 je te taille, taille, au nom de Jésus. Je renverse ton règne, je te renverse ton règne, je renverse ton règne, je renverse ton règne, je renverse ton règne. Je déclare tout ce que tu avais enregistré comme connaissance. Tout ce que tu avais pris comme information dans ma vie, j'efface cela de ta mémoire. Déclare, tout sorcier, tout sorcière, tout œuvre de la sorcellerie qui avait enregistré des données dans ma vie, qui avait pris des informations sur mon avenir, qui avait pris des informations sur ma destinée, qui avait pris des informations sur mon foyer, je déclare, j'efface cela de leur mémoire. J'efface cela de leur mémoire. J'efface cela de leur mémoire. J'efface au nom de Jésus. J'efface au nom de Jésus. J'efface. 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 J'efface au nom de Jésus. Ce que je viens de vous dire ce matin, ce ne sont pas des prières en l'air en l'air. Alléluia. Dans une vision, j'avais vu une femme qui vient me dire qu'elle me connaît. Et quand je lui ai dit que tu me connais où? Je l'ai arrêté. J'ai mis ma tête sur son front. J'ai mis mon front sur son front. Et j'ai commencé à prier en langue dans cette vision. Et quand j'ai prié en langue, quand j'ai fini de prier en langue, j'ai dit, dis encore mon nom. Elle est incapable, elle a cherché, elle n'a plus vu. En quelque sorte, tu vas arrêter ton ennemi. Et tu vas mettre ton ennemi, tu vas dire, je saisis ta tête. Et je vais mettre ta tête sur ma tête. Et je commence à déclarer que toute donnée que tu as sur ma vie, toute information que tu as sur ma vie, j'efface. J'efface au nom de Jésus. J'efface au nom de Jésus. J'efface au nom de Jésus. Rakata kata 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 kata. Rakata kata kata kata. Rakata kata kata kata. Rakata kata kata kata. J'efface toute information que tu as de moi. Mais mon nom disparaît de ton esprit. Mon nom disparaît de ta mémoire. Je formate ta mémoire. Je formate ta mémoire. Je déclare maintenant, ta mémoire est réinitialisée. Il n'y a plus d'informations concernant ma vie. Il n'y a plus d'informations concernant ma famille. Il n'y a plus d'informations dans ton esprit concernant mon être. Je déclare toi, esprit de qui opère dans mon pays. J'efface toutes les données antiques que tu as reçues sur mon pays. Et je déclare maintenant, ta puissance anéantie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, un sorcier ne peut pas avoir de prière sur ta vie s'il n'a pas des informations sur ta vie. C'est pour ça qu'il est important que tu prennes ce sujet de prière au sérieux et tu effaces. Déclare, j'efface, j'efface. Et pendant que tu effaces, la puissance de Dieu te libère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter après moi, nous sommes déjà à la fin, presque à la fin. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que la sorcellerie a volé dans ma vie, je récupère. La parole de Dieu déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, le roi de Sion a parti au violent. Tu vas manifester l'autorité. Et la parole de Dieu nous dit aussi encore que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, mais c'est un esprit de force et d'audacité. Tu vas déclarer, je me revêts de la force de l'Éternel. Et je déclare maintenant, par cette puissance et par cette force, j'arrache tout ce que la sorcellerie a volé dans ma vie. Je récupère au nom de Jésus tout ce que la sorcellerie a volé à ma famille. Je récupère au nom de Jésus tout ce que la sorcellerie a volé à mon pays. Je récupère, j'arrache mes grâces, tout ce qu'ils ont enterré. J'arrache la grâce de l'enfantement. J'arrache les promesses de Dieu. J'arrache les opportunités. J'arrache la réussite à mes projets. J'arrache. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher tes dons qu'ils ont volés. J'arrache ce cœur rempli d'amour. Depuis que tu cherches à avoir de l'amour dans ton cœur, tu n'arrives plus à avoir de l'amour parce qu'ils ont quoi? Ils ont volé l'amour qui était dans ton cœur. Déclare tout amour que Dieu m'avait donné, qu'ils ont volé. J'arrache entre les mains ton étoile, l'étoile de ta destinée, l'étoile de ton mariage, l'étoile de l'enfantement, l'étoile du travail, l'étoile de la réussite, l'étoile des études, toutes les étoiles qu'ils ont volées dans ta vie. Déclare, j'arrache mes étoiles au nom de Jésus.
J'arrache mes étoiles au nom de Jésus. J'arrache mes étoiles au nom de Jésus. J'arrache mes étoiles au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. Et j'entre en possession de cela. J'entre en possession de cela. Et je déclare ça reprend vie dans mon être. Et je sens cela dans mon être. Toute capacité que Dieu m'a donnée, que l'œuvre de la sorcellerie a volée, je déclare, c'est restauré. Il y a des gens que l'Éternel a rempli de connaissances, a rempli de sagesse, a rempli d'intelligence. Mais l'ennemi est venu voler cela. Ils ont maintenant des pertes de mémoire. Mets ta main sur ta tête et répète après moi. Ma mémoire est restaurée par le feu de la connaissance. Ma mémoire est restaurée. Ma mémoire est restaurée. Ma mémoire est restaurée. Ma mémoire est restaurée. Rakata kata 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 kata. Rakata kata 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 kata. Rakata kata kata kata. Rakata kata kata kata. Rabababababababa. Rabababababababa. Rabababababa. Rabababababa. Je restaure ma mémoire par le feu de la connaissance. Je déclare pendant que tu as la main sur la tête, le feu de la connaissance de Dieu, le renouvellement de l'intelligence tombe sur toi maintenant. Le voile de l'aveuglement est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré. Et je déclare sur ta vie que toute grâce que tu avais perdue, la puissance de Dieu restaure. Et dans tes deux mains, cette grâce tombe sur ta vie. Et j'ai dit ce matin que l'Éternel a prévu de visiter plusieurs personnes. Je te dis en vérité, l'Éternel a dit dans sa parole, l'ouvrier mérite son salaire. Et maintenant, là où tu es, le Seigneur a prévu de te bénir. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez des projets. Pendant que tu as ce projet remonte dans ton cœur. Pendant que je porte ça remonte fort, comme un fort désir, déclare. Parce que tu désires avec ardent désir. Parce que ce désir est fort, c'est pour dire que quoi? Je déclare maintenant. Que ce désir s'accomplit maintenant. C'est que l'Éternel a prévu de te donner. J'ai vu des gens avec des voitures. L'Éternel a béni des gens avec des voitures. Et j'ai vu ça deux fois. Et quand c'est deux fois, la parole de Dieu dit autrement de deux. La chose est vraie. Je déclare sur ta vie maintenant que tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Maintenant, ceux pour qui l'Éternel devait toucher les cœurs, ceux par qui l'Éternel devait passer pour te bénir, eh bien, l'argent que tu attendais, l'Éternel ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Maintenant, non, Jésus. Des opportunités. J'ai vu des gens crier des cris de joie. Des gens qui criaient des cris de joie. C'est-à-dire qu'ils ont fait des projets. Et les projets ont abouti. Parce que tu as brisé l'œil de la société qui devait s'opposer à ta réussite. Je déclare maintenant tes projets réussis. Je relâche la réussite de tes projets. Au nom de Jésus, reçois la réussite. Reçois, 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 reçois. Reçois la réussite au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare, tes grâces maintenant sont scellées. Je déclare maintenant qu'il y a une ascension dans tes activités. Saint-Esprit, je te prie, relâche les anges du commerce. Relâche les anges du commerce. Relâche les anges. Relâche tes anges, Saint-Esprit de Dieu. Que tes anges commencent à parcourir la terre avec des cadeaux. Et que la puissance du deuxième ciel, que le royaume de paix qui s'était opposé à cela, oh, grâce des enfants de Dieu, je déclare Ephata, que le royaume du deuxième ciel, qui s'était opposé à ta grâce, qui s'est fermé comme une porte, comme un portail sur le ciel, afin de dire que ça ne descendra pas, je déclare royaume de paix, Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Au nom de Jésus, vos grâces tombent sur vos vies. Il y a comme un feu de restauration entre vos paumes de main. Un feu de restauration, recevez cela. Recevez cela, recevez cela, recevez cela. Le Seigneur dépose cela sur vos mains, étend tes deux mains. La puissance de Dieu te restaure. Il restaure, il restaure, il restaure. Les gens te verront, ils ne sauront pas pourquoi, mais ils vont te bénir. Les gens te verront, ils ne sauront pas pourquoi, mais ils vont t'accepter. Toi qui étais parti faire des demandes d'emploi et qu'on t'avait rejeté, repas encore faire. Toi qui étais parti faire des demandes de visa et qu'on t'avait refusé, repas encore faire. Toi qui étais parti faire demander un permis de travail et qu'on t'avait refusé, repas encore. Toi qui avais demandé la nationalité d'un pays et qu'on t'avait refusé, repas encore. Toi qui avais cherché à avoir des opportunités pour avoir un permis, un contrat de travail et qu'on avait refusé, repas encore. Car la grâce de Dieu, la faveur de Dieu t'accompagnera. Il a dit quoi? La grâce de Dieu nous accompagnera tout le long de nos vies. Il a dit, ce sont des projets de bonheur qu'il a pour toi. Et je déclare selon ses paroles que les projets de bonheur, que la grâce de Dieu abonde de Dieu. Je déclare maintenant, toi seul, toi frère, tu es un béni de Dieu. 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 Et je déclare au nom de Jésus, ta bénédiction ne peut pas être stoppée.
La bénédiction que tu es ne peut pas être bloquée. La bénédiction que tu es ne peut pas être bloquée. Je déclare le Saint-Esprit de toi ce matin une porte pour des autres. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Rabababababa. Rabababababa. C'est grâce tombe sur toi. Ça quoi, quoi. Ça quoi, quoi. Ça quoi, quoi. Au nom de Jésus. C'est grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Reçois-les. C'est comme un vent. Je déclare, tu seras surpris. Tu ne sauras pas comment ça arrive. Mais souviens-toi que le Ténèbre t'a visité ce matin. Écris cela dans un cahier. Que le Seigneur a promis de me visiter. Et je déclare, cette promesse ne tardera pas. Cette prophétie reçoit une vitesse naturelle. Je relâche au nom de Jésus une vitesse naturelle sur cette parole. Et cette parole court à son accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare maintenant que cette prière soit cachée dans ton sang. Que ces prières soient cachées dans ton sang. Toutes ces prières qu'on a élevées devant ta face, que cela soit caché au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas étendre tes mains, tu vas fermer tes yeux. Je vais recommander rapidement ton jour. Le temps est passé. Esprit de Dieu, je prie. Dans cette journée, mon Dieu, mon roi, que tu visites puissamment tes servantes, que ce que ta main a promis de faire, que cela s'accomplisse. Je prie que la lumière que je vois dans mon esprit soit permanente dans la vie de tes saints. Que cette lumière comprenne tes servantes et tes serviteurs comme une nuée. Père, je prie que ce soit une couronne céleste, une couronne de gloire qui les accompagneront tout ce moment, en toutes ces saisons, en ces années-ci. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce que le roi des ténèbres a programmé dans les jours, en ces journées, soit déprogrammé. Je déprogramme toute programmation maléfique dans vos vies. Et je déclare les pièges, les imprécations, les envoûtements, tout ce qu'ils ont mis sur ton chemin comme accident. J'annule cela ce matin au nom puissant de Jésus. Et je déclare en ces jours, le Seigneur te donne la capacité de veiller. En ces jours, le Seigneur te donne la capacité de marcher selon son plan. En ces jours, le Seigneur te donne la capacité de vivre selon sa gloire. Je déclare, Esprit de Dieu, si c'est aujourd'hui que tu viens chez ton église, rends tes enfants dignes de toi. Je prie que tu sanctifies les robes. Je prie que tu purifies encore tes saints. Je prie qu'en ce matin, que ta grâce abonde dans les vies de tes enfants. Je déclare, je scelle les vies, je scelle les grâces, je scelle les opportunités, je scelle les visitations, je scelle, oh Dieu, les bénédictions de tes enfants, je scelle les emplois, les foyers, les fêtes, les entrailles, les enfants, les familles, les pays de tes enfants, dans ton glorieux et précieux sang. Et je déclare, c'est au nom puissant Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Comme je dis toujours, ne cesse pas de témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. Si l'Éternel t'a visité ce matin, laisse un commentaire pour dire, Seigneur, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Afin que nous soyons édifiés. Afin que nous glorifions encore le Seigneur. Parce que je dis, tout ce que le Seigneur aime, tout ce que nous faisons, c'est dans le but de mieux adorer Dieu. Donc ce matin, je pense que le Seigneur t'a visité puissamment et il t'a encore de la capacité de l'adorer. Donc adore-le comme tu le sens, comme tu le sens. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un format, ce n'est pas un dogme, mais adore-le comme tu le sens. Adore-le comme tu le sens. Si tu sens que tu veux crier, crie. Pendant que tu serais dans ton intimité, quel que soit ce que tu sens, exprime-le à ton Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite une heureuse et merveilleuse journée. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Et par la grâce de Dieu, nous retrouvons mercredi prochain. Alléluia. Nous selon ces prières dans le sang de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu vous apporte. Alléluia. Shalom.